avec les petites, il faut être beaucoup plus patiente surtout, parce que les petites, il y a des jours où elles sont fatiguées, elles sont excitées. Il faut qu'on puisse embellir nos danseuses et puis présenter un spectacle de qualité. Tu apprends des légendes, tu apprends des gens, des mythes. Tu danses quelque chose qui a du sens. L'oritéti, pour moi, ce sont des mots, des pas, de la gestuelle qui fait parler l'être humain, que ce soit toi ou celui qui est en face de toi. Ça nous permet de voir la beauté de notre pays à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi je suis contente. C'est ce qui m'a aidée à faire ressortir mes émotions. Et la plupart de mes amis aujourd'hui, je les ai rencontrés dans ce milieu-là. C'est un mouvement dansé qui va exprimer notre vision du monde, notre histoire, nos légendes, mais surtout notre manière d'appréhender ce monde. Et elle vit avec notre temps. Et ça, c'est ce que j'aime. La danse constitue un élément culturel fort à Tahiti, dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Depuis toujours, elle rythme la vie des Polynésiens, de leur naissance à leur mort, et accompagne les temps forts de tout un peuple. Même très confus, les témoignages des navigateurs occidentaux en exploration dans le Pacifique ne cessent d'évoquer l'omniprésence de la danse dans la société tahitienne. À cette période de contact, succède l'arrivée des missionnaires protestants. Ils accostent à Tahiti pour propager l'Évangile, mais ont aussi pour projet latent de faire adopter des codes écrits et d'instaurer un nouvel appareil judiciaire. Ainsi, le premier code pomaré est le produit d'une négociation entre les valeurs missionnaires et celles chères aux souverains locaux. Il constitue un tournant important dans la moralisation des populations. Remanié à plusieurs reprises, le code pomaré de 1842 signe officiellement l'interdiction des danses. Malgré tout, la danse devient une pratique marginalisée. L'avènement du protectorat français ouvre la voie à la célébration de la fête nationale. Parmi les festivités du 14 juillet figurent des concours de chant et, quelques années plus tard, le Hori Tahiti trouve dans ce cadre colonial un contexte officiel. Après l'ouverture de la Polynésie française au monde, et notamment aux touristes, apparaissent les groupes dits professionnels. Le plus célèbre d'entre eux est Heiva, conduit par la pionnière du revivalisme du Hori Tahiti, Madeleine Moua. La danse se transmet dans les familles de génération en génération. Pratique fédératrice, elle constitue en ce sens l'un des meilleurs moyens pour l'enfant de s'intégrer à la vie sociale de l'île. Quand j'avais deux ans et demi, il me semble, il y avait un groupe de danse qui était venu au Tombeau du Roi et qui avait fait des représentations. Il me semble que dans ce groupe-là, il y avait aussi Mevina Liufau. Il me semble, et comme c'était un ami de mon tonton, donc c'était à partir de ce moment-là aussi où je me suis dit que plus tard, j'aimerais entrer dans le groupe de Nono Sina. Ouais, c'était toute petite, à l'âge de deux ans et demi. C'est fou, hein. Je me revois petite, en train de suivre ma marraine. En fait, c'était une danseuse. Et je me revois à chaque fois dans différents hôtels à l'admirer danser. Et je me suis toujours dit, un jour, ça serait moi. Mon premier souvenir, c'est mon premier cours au conservatoire, puisque du coup, c'est là-bas que j'ai appris à danser. Et donc, j'avais 8 ans. Et donc, j'ai été partagée un peu entre stress et excitation et curiosité, et puis l'envie d'apprendre. C'était mon premier rêve à des écoles. En 96, il me semble.
C'était ma première année de cours de danse avec l'école de danse Raumata de Mehiti Hart et Carl Briand. Mehiti qui nous a quittés aujourd'hui, mais oui, je crois que c'est mon plus lointain souvenir. Mon tout premier souvenir, c'était avec l'école de danse de Muyata. Donc j'ai commencé avec elle. C'était lors d'un Heiwa des écoles. C'était en 2011, il me semble. C'était notre dernier tableau, le tableau final. Il y avait eu, il me semble, un problème avec le groupe de danse qui était juste après nous. Et donc il fallait qu'on rajoute du temps, qu'on rajoute des danses. Et donc du coup, Muyata m'a demandé de venir danser avec elle. Donc c'est, on va dire, une sorte de duo. Elle faisait les pas et moi je la suivais. Je devais avoir 4-5 ans. Je venais juste de commencer la danse et c'est l'un des tout premiers souvenirs que j'ai de la danse. Alors, mon premier souvenir du Retreaty, je pense que j'avais 5 ans, 6 ans. Et je dansais à l'église parce que ma grand-mère, c'est elle qui faisait les danses à l'église. Donc, mon souvenir, c'est que je dansais comme un garçon et que je n'aimais pas. Je devais avoir entre 5 ans et 8 ans. J'étais à la maison. On avait un spectacle le soir. Et j'avais décidé de me préparer toute seule, derrière le dos de papa-maman. Et au fait, je me suis préparée beaucoup, beaucoup trop tôt. Donc ma maman m'a regardée avec les gros yeux, elle a fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je me prépare déjà et tout. Est-ce que tu peux me maquiller un petit peu, maman, s'il te plaît ?» Et du coup, elle m'a pas grondée, mais bon, elle m'a dit « Non, tu te changes, c'est pas maintenant, tu attends. » Vraiment toute jeune, une petite fille, et comme j'habite Manuhoe, c'est-à-dire au centre-ville, eh bien, mon premier souvenir avec le Retreaty, c'est vraiment pendant le Tiurei, des groupes de danse qui sont installés dans toutes les écoles de la ville et qui se produisent à la mairie juste à côté. Et donc, ma mère, de temps en temps, nous dit « Bon, allez les enfants, on prend des péouées, des coussins, et on va s'installer à la mairie, dans la cour de la mairie, parce qu'un groupe est soit en répétition, soit se produit pour le maire, par exemple. » Et donc, ce sont vraiment mes premiers souvenirs du Retreaty. Outre la transmission familiale, le Retreaty fait également l'objet d'un apprentissage formel dans le cadre des écoles de danse. Dès le plus jeune âge, l'enfant a la possibilité de découvrir cette danse en tant qu'activité de loisir. C'est quoi ça? Faut pas toucher. C'est quoi? C'est un micro. Pourquoi? Comme ça, on entend qu'est-ce que vous dites. Avec Alani, moi, je suis partie à... Comment on dit? Tu es partie aussi dans les îles? Vanina de ma part. Oh, Tati Vanina, elle est à côté. Attends, viens, tu vas aller donner toi. Sinon, Tati Vanina, elle va venir après, tu poses là. Je veux y aller là avec elle. Ça commence à partir de 4 ans. Donc là, avec les petites, ça se passe très bien. Bon, ça demande une pédagogie assez importante quand même. Un petit peu. Non, pas trop, pas trop, faut que tu vois. Pas d'un truc là, Karine. Non, c'est rien. Allez, là, là, là. Là, faut que tu sois bien au milieu des deux copines. Moi, j'étais un peu perdue, je connaissais personne. Il y avait du monde, en plus les filles, elles te regardaient bizarrement parce que tu étais nouvelle, tu sais. Mais c'est normal parce que tu es nouvelle. Donc j'arrive, moi j'étais un peu perdue. Mais vu que je voulais apprendre à danser, ça me plaisait bien quoi. Ça me plaisait bien parce que l'ambiance après, c'était cool. Les filles en fait, elles font pas attention. Voilà, elles te font pas gaffe et tout. Donc tu viens, tu danses et tu rentres. Et ensuite tu te fais des amis. Margot, avec les petites, il faut être beaucoup plus patiente surtout parce que les petites, il y a des jours où elles sont fatiguées, elles sont excitées, c'est des petites, hein, elles aiment jouer, elles aiment rigoler. C'est bien de rigoler avec elles, hein, mais bon, après, il faut savoir dire attention, pas trop. Encore. Là, stop. Sur cette ligne. Kéliane, viens un peu sur cette ligne. Là, on se tient les mains, on se tient les mains, on se tient les mains. On se tient les mains. Et là, on me suit. C'est des petites choses qu'il faut répéter et pour qu'elles comprennent la signification des pas.
des gestes. La langue tahitienne. Sur place. Réré. Avancer. Et comment on dit reculer? Otohe. Et l'histoire qu'on raconte lorsqu'on danse. Donc c'est vraiment une histoire que tu racontes aux petites pour qu'elles comprennent mieux. À l'adolescence, l'enfant poursuit son apprentissage. La pratique du Ore Tahiti s'oriente alors vers davantage de technicité et les danseuses affirment, au travers de la danse, leur identité tahitienne. On crie ! Ouais ! Ouais ! Taro ! Et on y va ! C'est le cours des ados débutantes. Elles ont entre 6 ans et 11 ans. Hey! Bouge pas les épaules! Va chercher loin. Baisse-toi encore un petit peu. Maintenant, va chercher plus loin encore. Dans l'autre sens, Veilia. Voilà. Des fois, j'allais pas à l'école. Hein. On dit ça, chape école à Tahiti. Hein. J'allais pas à l'école, j'étais au collège. Donc ma maman qui me disait, si tu vas pas à l'école, tu vas pas à l'école de danse. Moi justement, j'écoutais pas, j'allais pas à l'école, mais j'étais prête pour venir à l'école de danse. Donc je marchais de chez moi, et j'habite en haut, hein, en montagne. Je marchais jusqu'ici pour venir à l'école de danse parce que on pouvait pas, même à cet âge-là, c'est fou, on pouvait pas m'interdire de venir à la danse, quoi. J'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans et demi avec Tomata Robinson. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre aux côtés de danseuses très talentueuses. En contrepartie, je faisais aussi du modern jazz. Et une année, je ne pouvais pas continuer les deux ensemble parce que les horaires ne collaient pas. Et mon choix s'est tout de suite porté sur la danse tahitienne. Et par la suite, j'ai commencé à faire 2 à 3 heures de danse par jour. Le Ore Tahiti, c'est plus qu'un sport, c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qu'on vit. Et depuis cette année, je danse avec Puerava à l'école Manoriva. C'est un moment où on est en phase et en paix avec soi-même et pendant lequel on peut oublier tous les problèmes qu'on a. Pour l'avoir pratiqué toute leur vie, il n'est pas rare d'entendre des danseuses témoigner d'un attachement viscéral au Ore Tahiti. Ma définition du Ore Tahiti, ça serait de véhiculer un message, de laisser parler sa créativité et de réunir des éléments qui sont friands de notre culture, de notre danse et ainsi le partage il est explosif. Voilà. Elle a vraiment une place importante pour moi, même la première place, on va dire. Je ne pourrais pas. Comme je disais, personne ne peut m'interdire. Même ma maman, elle me disait, tu ne vas pas à la danse parce que tu n'as pas été à l'école. Non, la meuf, elle prend son pario, elle va en cachette. Tu vois, c'est une façon de dire que même une personne importante à mes yeux ne pourra jamais m'interdire d'aller danser. Quoi. Et puis la danse, ça peut être des personnes aussi. Des personnes qui t'ont marqué, qui t'ont appris. Et je serai toujours reconnaissante envers mes professeurs, donc Mamie Louise et Vanina au conservatoire.
Et pour moi, c'est elle qui représente la danse. Et la plupart de mes amis aujourd'hui, ben, je les ai rencontrés dans ce milieu-là. Hein. Je dansais à Tahiti, ben, je voyais plus mes frères et sœurs de danse que ma famille. Quoi, hein. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un art qui permet d'exprimer ses sentiments au travers des gestes et des paroles pour différentes choses, par exemple pour la colère, pour la tristesse, pour l'amour. C'est ce qui m'a aidé à faire ressortir mes émotions. Pour moi, le Hori Tahiti, c'est un message et un partage. Le Hori Tahiti, pour moi, ce sont des mots, des pas, de la gestuelle qui fait parler l'être humain, que ce soit toi ou celui qui est en face de toi. Tu apprends des légendes, tu apprends des gens, des mythes, tu danses quelque chose qui a du sens. Et puis après, il y a l'aspect partage, parce que tu danses pas toute seule. Tu danses pour un public. Tu danses pour un public, tu danses pour même ta famille, ça peut être un public. Mais tu danses pour être vu. Tu danses pour partager quelque chose. Donc il y a cet aspect de partage. Tu te crées à chaque fois une nouvelle famille, de nouveaux amis. C'est notre manière à nous, c'est un mouvement dansé qui va exprimer notre vision du monde, notre histoire, nos légendes, mais surtout notre manière d'appréhender ce monde et elle vit avec notre temps. Et ça, c'est ce que j'aime. Depuis l'an 2000, le costume de danse se décline de trois manières différentes. Grand costume, costume en tissu et costume végétal. Ces différents costumes dits traditionnels font l'objet de prix. Chaque costume a une signification et ça me rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs. Ben, beaucoup de souvenirs marquants surtout, par exemple les heivas que j'ai pu faire et surtout les concours emportés aussi. Dans les écoles de danse, oui, les profs demandent à ce que ça soit ben, les parents qui payent les costumes pour que les enfants puissent repartir avec leurs costumes. Mais dans les groupes de danse, il y en a qui demandent à reprendre les costumes pour par exemple les shows hôtels ou les prochains spectacles. Pour moi, c'est important de garder. Je pense que celles qui ne gardent pas, elles n'ont pas la même façon de ressentir ben, la signification de ces costumes-là. Pas entendre leur prénom. Donc, chut, chut. Ambre. Ambre. Heriani. Ara. Hinaririo. Huratini. On avance? Voilà, super. Là, il y a de la boue. Ben oui. Hey Miri, tu fais n'importe quoi, regarde là. Si tu perds ton costume, on ne peut pas te redonner un autre. On doit se mettre comme ça, les bras. Pique les bras. Comme ça, j'enfile. Voilà. Et maintenant, la bande qui est en dessous, voilà, c'est ça, Clémence. Je le mets ici, sur les titis. Voilà, super. C'est bien les filles. Inaya. Il faut qu'on puisse embellir nos danseuses et puis présenter un spectacle de qualité.
C'est toujours possible de faire avec moins de coûts. Dans ces cas-là, on va plus chercher tout ce qui est végétal. On va demander alors à nos danseurs et danseuses d'investir plus de temps dans la confection, la veille, souvent. L'apprentissage effectué en cours a pour finalité de se produire sur scène à l'occasion de représentations publiques. Les danseuses perfectionnent leurs mouvements et se préparent avec soin en vue des galas annuels ou des compétitions. Chaque année, les galas des écoles de danse sont des moments très importants parce que c'est ce qui nous sert aussi de vitrine. Donc le gala, il se prépare tout au long de l'année. Il y a la partie enseignement, donc qui se passe en cours. Où on essaye de trouver des musiques du moment, on surfe sur le temps, hein, et en même temps on essaye de se trouver un thème pour lier toutes nos danses lors du spectacle. En fait, non, il faut vraiment être très organisé, travailler à proximité, en proximité avec ton auteur, ton chef orchestre, tes compositeurs, tes répétiteurs, garçons et filles. C'est ce partage, c'est ce travail ensemble qui fait qu'on arrive à un bon résultat. Il faut toujours envisager que les danseuses et le public prennent plaisir à participer à ce gala. Par le gala, on peut montrer aux parents tout le travail effectué durant toute l'année. Tous les galas sont des souvenirs très agréables, mais je pense que si je devais en choisir un, ce serait une compétition du Ori Taitinui Solo Competition à laquelle j'ai participé. Depuis la mise en place des célébrations de la fête nationale française en 1881, les concours n'ont cessé d'être au cœur des prestations des Tiorei jusqu'en 1984, puis des Heiwai Tahiti. Depuis, de nombreux autres concours ont vu le jour. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'excitation, beaucoup de pression en soi. Et elle m'a aussi permis de faire des rencontres et c'est un challenge pour soi-même.
Le World Championship, c'est ouvert aux danseuses qui ont déjà eu des prix. Voilà, je me suis préparée quelques semaines avant avec Tati Coco, qui est diplômée du conservatoire aussi. On avait un Aparima imposé et un OTA où tu es libre, où tu improvises. Je me suis beaucoup entraînée. Bon, j'avais devant moi des meilleures danseuses du Heiva, donc beaucoup plus de stress. Mais c'était magnifique, c'était magique, c'était agréable. Et ben, au moins, tu vois que le Ori Tahiti est partout parce que tu as vu différentes personnes étrangères qui venaient du Mexique, Japon, Los Angeles, de partout. Et c'est vraiment beau à quel point bah, notre culture, elle est appréciée par tout le monde. Plein d'émotions, surprise surtout que mes adversaires, elles avaient un excellent niveau. Mais je suis fière. Merci aux organisateurs, merci à tout le monde pour les encouragements. Et au jury d'avoir, de me faire confiance. Merci beaucoup. En 2013, c'était mon premier concours, mais c'était pas les coupes comme ça, quoi. C'était juste des médailles avec des nacres où j'ai remporté le premier prix justement dans la catégorie Tauria. Ensuite, c'était en 2015, voilà. Ensuite, c'était en 2015 que j'ai remporté ça, c'est le grand prix Ario Ivheini. J'avais 16 ans justement, concourir contre des grandes, c'est pas... En plus, si tu gagnes, c'est pire, genre, je m'attendais vraiment pas. Et puis, ben celui-là, le plus grand prix quoi pour moi. En 2019. Pour moi, le prix le plus important, c'était celui-là. Pourquoi ? Bah, tous les petits concours à côté, pour moi, ça, c'est pas que ça voulait rien dire, tu sais. C'est pas que ça voulait rien dire, mais celui-là, je pouvais me dire que, OK, ça y est, là, je peux dire que je suis la meilleure danseuse. Parce que ça, OK, ce sont des petits concours, bon, j'ai remporté, hein. J'ai échoué aussi quelques fois, mais pour moi, le plus important que j'attendais depuis toute petite, c'était celui-là. Comme je disais, c'était mon rêve depuis toute petite, quoi. Bon, il y a plein de poussière. Je sais que c'est dans mes projets d'ouvrir une école de danse et ce que Thierry me propose là, ça m'aide vraiment, ça ne peut que être positif pour moi pour plus tard. La première ligne d'abord. On va dire que c'est un rêve depuis toute petite d'être prof de danse thaïsienne. Et donc, on va dire que bah, mon rêve s'est réalisé. Lors de l'édition 2017 du Heiva des écoles, pas moins de 32 établissements étaient inscrits. En constante évolution, l'année 2021 réunit pour l'événement 35 formations. La plupart d'entre elles sont dirigées par des chefs de groupe, des médaillés d'or du Conservatoire artistique de la Polynésie française ou des danseurs de renom. On a ouvert l'école en 2016. Je me suis dit, pourquoi pas d'essayer, hein? On ne perd rien à s'essayer. Et je prends ma disponibilité en tant qu'enseignante. Et en 2017 est née Manohiva Tahiti. J'ai
commencé à faire les Heiva avec Michael Foster pendant des années, depuis 2010 jusqu'en 2017-2018. Et j'ai commencé après à évoluer avec plusieurs groupes, plusieurs chorégraphes, chefs de troupe, avec qui j'étais danseuse ou même chorégraphe ou costumière. J'avais beaucoup plus de talent pour entrer dans plusieurs groupes, donc je les utilisais. En ce moment, je travaille avec Tamatia Andy-Colbery, qui est meilleure danseuse du monde, et danseur de feu en même temps. Moi, je m'occupe des filles et lui, il s'occupe des garçons. Mon objectif, en fait, c'était de promouvoir la danse ailleurs. J'estimais que le marché était saturé, mais en fait, non. En fait, non. Bah, du coup, avec la crise sanitaire, les frontières ont fermé et bah, je me suis dit, ben, vas-y, arrive, fais-le. J'ai commencé mon premier cours, j'avais 3 élèves, puis 7, puis 10, et après quand tu passes la barre des 15, t'es contente, et maintenant, ben, bon, on a 70 élèves. L'histoire du Holi Tahiti est indissociable du développement touristique à Tahiti. Suite aux tournées internationales des groupes de danse dans les années 60, la diffusion de la culture polynésienne s'est considérablement développée. Aujourd'hui, elle continue de rayonner, notamment grâce aux Polynésiennes et Polynésiens expatriés qui souhaitent garder un lien avec leurs racines. Monter mon école de danse à Paris n'a pas été chose facile, surtout lorsque je suis arrivée, il a fallu un moment avant que je puisse être complètement adaptée au nouveau fonctionnement, à ma nouvelle vie. Et progressivement, je décide de créer donc cette école de danse et de retourner vers ma passion qui est la danse tahitienne. Ça m'a paru comme une évidence dès que j'ai eu l'occasion de rentrer chez moi, de pouvoir le faire et de pouvoir du coup danser à nouveau et profiter du beau temps et de l'accès aussi aux connaissances qu'on peut avoir ici. J'ai eu cette opportunité de rencontrer Hinatea autour d'un déjeuner à la base. Et au fur et à mesure de la discussion, on est parti dans un grand délire d'organisation d'un shooting qui mettrait en avant ce retour justement aux sources, aux origines. Je savais que Tahiya, en discutant avec elle, justement, elle avait ce besoin de se reconnecter. Et je pense qu'on a tous eu ce besoin de se reconnecter avec ce qui s'est passé au niveau mondial. Et elle m'a dit, au fait, elle m'a juste dit un truc qui m'a fait kiffer, c'est « je te laisse carte blanche ». Quand t'es artiste et on te dit « je te laisse carte blanche », alors là, c'est le bonheur. «
c'était important pour moi que chaque artiste, durant ce shooting, puisse exprimer sa vision de la chose. Et du coup, il y a cette relation de confiance qui s'est créée avec l'équipe, c'est-à-dire que Hiti, par exemple, qui a fait les coiffures, a lui-même choisi ce qu'il voulait faire. On lui a dit, nous, on s'attend, on a un thème qui est celui-ci, à toi ensuite de l'exprimer comme tu le sens. Et Hinatea, du coup, a dû choisir ses thèmes en fonction de ce qu'elle ressentait en me voyant, en discutant avec moi et en connaissant mon parcours. Donc. L'idée, c'était vraiment de prendre plaisir et de partager un moment entre artistes et de tous terminer l'année sur une belle touche. Souris moins parce qu'il y a trop de blanc dans le rouge. Quand j'étais petite, j'ai pas forcément connu la danse tahitienne, etc. parce que j'étais en France. Et c'est quand je suis arrivée à Tahiti que c'est là que j'ai découvert le Holi Tahiti. Ma maman a été danseuse et du coup, elle m'a appris les bases du Holi Tahiti. Et j'ai aussi découvert la danse avec les spectacles, le Heiva, Tahiti, etc. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu danser. Étant née à Tahiti, c'était la danse que je voyais le plus souvent. Donc, j'ai demandé à ma mère à plusieurs reprises de m'inscrire. Et elle voulait vraiment attendre que j'aie 8 ans parce que voilà, c'était l'âge idéal, selon elle, pour commencer. Je danse depuis l'âge de 3 ans parce qu'en fait, ma maman a toujours dansé par différentes associations, troupes, etc., de par cette forte culture identitaire polynésienne qui est la nôtre, et j'ai toujours été hyper émerveillée par la grâce, par tout ça. Enfin, c'était juste trop émouvant, donc j'ai commencé à danser, marcher, etc. Et puis finalement, tout est parti, et puis j'ai jamais arrêté. Quand je suis avec mon association, je fais dans des salles, je m'entraîne dans des salles, mais sinon je m'entraîne chez moi, dans mon salon, dans ma chambre. Pendant la semaine, je fais à peu près 4 heures d'entraînement par semaine. Donc je me cale des jours et après je m'entraîne. Alors je danse dans une association qui s'appelle Hoturo Ori, et avec eux, ben, je continue la danse, je fais des spectacles. On a souvent des répétitions aussi, donc ça me permet de continuer à danser. Aujourd'hui, je garde un lien très fort, et notamment grâce à la troupe de danse dans laquelle je suis, Ori Heitiare Tahiti, basée à l'Union, qui est vraiment ancrée dans la danse tahitienne, dans la culture tahitienne, etc. Donc ça me permet de renforcer le lien. Rien que le fait de se voir, de faire des soirées, des brinques, d'entendre les musiques locales, etc., ça évoque des souvenirs, et ça me permet de rester attachée à cette culture qui m'est propre. Je veux dire, je ne suis pas juste tahitienne, hein, j'ai aussi des origines africaines, etc. Mais le fait d'être dans cette troupe-là, ça me permet de rester attachée à mon côté tahitien. Voir ces professeurs qui te transmettent, pour moi, c'est les plus jolis souvenirs. Parce que du coup, quand tu as des personnes en face de toi qui sont passionnées, ben, ça se vit, quoi. C'est à l'intérieur et tu as juste envie d'être comme eux, de faire comme eux, exactement comme ils disent. Et après, t'as le fait de voir quelqu'un t'apprendre, c'est quelque chose, mais quand tu vois cette personne le faire, c'est encore autre chose, surtout quand c'est bien fait. C'est un art lié à une culture. Après, je pense pas que ce soit voué à rester figé. Parce que comme tout art, comme toute culture, on évolue. Les Tahitiens ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient
il y a 10, 15, 20, 100 ans. Et de même que leur art, que leur culture, le Oritaiti notamment, c'est une danse qui est vouée à évoluer. Bien sûr, il y a des caractéristiques qui lui sont attribuées. Les pas, la langue utilisée, les thèmes des légendes utilisées, etc. Ce sont des caractéristiques-là, mais elle est vouée à évoluer avec son temps. Ça, c'est les restants de DVD qui me restent quand je dansais encore athlétique. Dans ma famille, j'ai toujours été un peu la petite danseuse. Donc, dès qu'il y avait un anniversaire, un show, Janine, mets un pario et va danser. J'allais danser, quoi. Je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Juste, j'ai vécu le truc. Et ça, c'était juste incroyable. Le Oritaiti, c'est une danse culturelle et identitaire. Quand tu commences à le pratiquer, tu commences à te poser des questions, en tout cas. Parce qu'à un moment donné, je pense que tu es confronté à ce plafond de performance que tu as atteint, en tout cas à ton niveau. Et après, tu te dis, comment je fais pour évoluer ? Si au début, c'est juste une performance, comment je fais pour évoluer dans le Oritaiti ? Il y a 200 ans exactement, notre culture, elle a été interdite. Quelle belle revanche que de voir une Russe, une Japonaise, non pas s'approprier, parce qu'elles ne sont pas dans la démarche de s'approprier une culture, mais elles veulent juste faire rayonner et puis exister en tant que telle à travers cette culture. Et d'avoir justement des passionnés, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien aussi. On m'a dit notre ego, notre Théo est beau aussi à ce moment-là, mais il est bien placé parce que ça nous permet de voir la beauté de notre pays à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi je suis contente. Je retiendrai plutôt un point commun, c'est cette soif d'apprendre notre danse, notre culture, cette envie de maîtriser la technique. Donc elles ont toutes envie d'apprendre et de maîtriser. C'est juste que comme les Tahitiennes, on a différents niveaux. Tout le monde, peu importe les pays, on a de bonnes danseuses dans tous ces pays-là. C'est le travail, c'est à force de travailler que voilà, et les compétences de chacune se dévoilent. Je sais que Atriti, parfois, c'est difficile d'expliquer. Souvent, j'ai des retours de « Ah, mais c'est pas pareil, elles sont pas tahitiennes, elles peuvent pas vivre leur danse. » Alors oui, elles vont la vivre très différemment, parce qu'il n'y a pas des centaines d'années d'histoire et t'es pas imprégné de la même culture, ça descend pas de tes tupuna, tu vois. C'est pas des histoires de famille qui se transmettent. Enfin, je sais pas comment dire, c'est forcément, ça va pas être la même chose, tu vas pas porter ta danse de la même façon. Mais par contre, ce que j'essaye vraiment de faire passer comme message, c'est que souvent, il y a un réel amour du Oritaiti et deux, il y a un réel respect vis-à-vis de la culture. Alors, pas tous les groupes et pas toutes les personnes que je croise, mais dans l'ensemble, il y a cette démarche d'apprendre, de respecter, d'apprendre les codes, de respecter la culture, d'apprendre la signification un peu plus profonde des danses et des thèmes et des légendes et des mythes et des récits. Je trouve que c'est assez flatteur que toutes ces cultures, qui ont un patrimoine culturel, s'investissent autant dans le Oritaiti. C'est un honneur, parce que d'autant plus que la très large majorité de ces personnes le font avec beaucoup de respect pour nous ce que nous sommes et pour le Oritaiti. Et ça, c'est mon constat. En 2020, suite à la pandémie de Covid-19 et pour la première fois depuis sa création, le Heiva Itaiti n'a pas eu lieu. En 2021, les différents groupes et instances du pays ont décidé d'organiser un événement pour le remplacer, le Tahiti Tiamei.
Le festival TTT Armeille 2021, c'était une belle aventure en fait, parce qu'en fait, en 2020, on a tous arrêté de danser, ben, comme partout dans le monde. Et c'était un baume au cœur de se retrouver. On était tout excités de se revoir avec les amis danseuses, de pouvoir encore pratiquer notre passion, notre danse. Et donc, du coup, c'était vraiment un baume au cœur, hein, un baume au cœur polynésien, de pouvoir enfin redanser, quoi. Donc, c'était un festival. Beaucoup porté sur le moment présent, c'est-à-dire on était vraiment heureux de vivre chaque répétition. Bon, on ne savait pas, hein. Si on nous dit ça y est, il y a le Covid encore, pouf, on referme tout, les barrières et on doit arrêter. Donc chaque répétition c'était quand même assez intense parce qu'on se disait il faut profiter. On ne sait pas si on va vraiment pouvoir avoir notre prestation sur Toata. Donc chaque répétition, il fallait faire attention aussi pour chacun, pour le bien de chacun, enfin, les gestes de barrière, tout ça. On faisait attention. Chaque répétition, au début de répétition, on met le gel, on nous surveille, tout ça. Donc, on avait la conscience quand même de prendre soin des uns et des autres, mais tout en voulant profiter en fait au maximum. Donc, c'était assez spécial ce festival, mais vraiment intense, ouais, intense au niveau des répétitions. Voilà. Que tous les 4-5 ans, il faudra en faire un. Parce que ça permet aussi de se recentrer sur le fait de danser juste pour danser parce qu'on aime ça, quoi. Qu'il y ait moins cet aspect concours dans les clous, quoi. C'est vraiment tous pour la même chose, pour l'amour du Holy Tahiti, quoi. Et ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est le Holy Tahiti? Eh bien, j'aime bien prendre la définition littérale. Holy, ça veut dire danse, et Tahiti, ça veut dire Tahiti. Donc, ça veut dire danse tahitienne. La danseuse de Holy, c'est la grâce incarnée pour moi. L'engouement pour le Holy Tahiti est vraiment aussi génial à voir, et puis c'est très différent d'un pays à l'autre. Io mi sveglio la mattina e penso all'Holy Tahiti. Pranzo e penso all'Holy Tahiti. Ceno e penso all'Holy Tahiti. È también come una connessione tra lo tangibile e lo spirituale. So I think it's really important as the world becomes more interested in Holy Tahiti. On n'aurait jamais cru qu'on pouvait trouver une grande famille comme ça en fait. Beyond that, we have a family around the world.